side. Oh, I'm a black side. Can you do it? Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur la RTS2 Moké Kraniti dans l'état Djam, qui c'est une deuxième chaîne nationale, hein, RTS2. Donc, comme nous avons fait ça, c'est parti donc pour l'Inga Khawati de Claude Kahn. Émission Bini Djagle, l'EP, lui, information, Djamé Folet, Djaleko Folet Kahn. Donc, Côte d'Ivoire, comme nous avons fait également ça, je ne suis pas seul. Je serai avec, bien sûr, Samuel Natango, qui mène la chat, Yacine. Et moi, je vais vous présenter. Ensuite, moi, on a mon ennemi numéro 1, moi, Aïcha Touré. Kumba également, partager plateau avec nous. Nous aurons normalement, qui nous ramène, c'est moi, Mam Khoudja et Rougi, normalement, donc, pour les rubriques, il l'a dit, Djaglel Sassouné, dans Couleur Kahn. Donc, encore une fois, bonjour, bienvenue à tous. Alors, bala may gëna sore rek dama bay Aïcha pour me rattraper cadeau bi pour mou wax len bonjour Aïcha na nga def Jean-Yves mang lay fay di am contentement di fegua ki au plateau bi et puis ce qui me plaît c'est qu'aujourd'hui tu es en OBV façon là orange blanc vert hein waaw ça m'a OK bien waaw waaw orange blanc vert lay di wala boko man wala lo def muy lol man yo lay top alors je suis ravi hein, de te retrouver donc après 4 jours de repos, dit nous sommes beaucoup téléspectateurs parce que c'est grâce à eux que nous sommes là pour Couleur Kahn et on sait que c'est bientôt la fin de cette compétition donc on va encore proposer à ceux qui nous regardent des informations nécessaires donc pour préparer cette demi-finale. Nous serons toujours avec vous, mesdames et messieurs, hein, pour les plus grandes actualités, les plus grandes actualités, il fallait que vous voir. Bon, on t'ouvre à information, you were, t'es l'air nain. Donc, on est dans une couleur canne. Alors, Yacine, bon, actu canne, Yacine, on a Jean-Yves, mangle nuit Bouba, dinui Aïcha, dinui son bok téléspectateur Bouba, bah. Wa kagn Yacine mom xamé ngén ko mom ak ki nga xamanteni moy Raki ñoo ñu di andil d'habitude li nga xamanteni moy les actualités donc liées à la CAN alors mbokk ak xarit yi mu ngi nonu bien sûr comme d'habitude suñu rubrique ki nga xamanteni mom nga di faral di am station dina ñew lu ci melni conférence de presse lepp li nga xamanteni actualité lepp li nga xamanteni tendance lepp li nga xamanteni affiche du jour dinañ ko am ndax té xam nga ni tay amul match la compétition va redémarrer suba inshallah donc les affiches vous les aurez dans un instant on va parler également ci kanam ci li nga xamanteni moy les forces et les faiblesses des équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales lolu nak ce sera avec Kumba ci kanam lay doon alors comme d'habitude hein, l'équipe est là Dream Team est là donc au rendez-vous pour vous accompagner dans Couleur Kahn alors balani tambali rek dañuy dem fallait réalisation dem régie c'est ki nga xamanteni moy wagué tay nak mu ngi and ak Amsatou ni ñuy walé suñu jeune stagiaire bobé ma ngi faté turum ndaysan di dama dor Martin Luther King waaw le king Martin Luther King donc nak fallait ci réalisation ñu ngi dem séti ñëwaat tambalé émission merci beaucoup Wagé Martin Boulma Méré Danga Martin ça m'a beaucoup Wagimbara Jean, je ne mets pas ma bouche dedans. Ouais, non, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Sinon, Joe, je vais faire palabre contre toi là, tu vas voir. Aïcha, alors, donne les bails pour le sommaire. Oui, alors. D'habitude, on a fini avec le sommaire, tu vas être un moment. Non, tu es dans le temps. Tu es dans le distanciation. Parce que il faut mettre distanciation avec toi. Distanciation. Jean-Yves. Ton rôle, Aïcha. 1-0. Tu as marqué le but avant moi. Alors, tu as les télé, voilà.
c'est venu. Mm-hmm. Avant match Côte d'Ivoire-RDC, donc Ibrahim Aboub Moniou a proposé Fallet en direct d'Abidjan. Et ce petit paraît d'Em, cette conférence de presse du groupe de la CAF. Tierno Dramé Moniou proposait Élément Bobolé. Actu Cannes, comme on l'a dit tout à l'heure, Sommer Abbé Jean-Yves Moukéor. Yacine Moï, Sounouchat, moi qui ai présenté. Ensuite, les affiches des demi-finales, c'est-à-dire le show du show. La Côte d'Ivoire va aller en finale. Moi qui ai proposé, il y aura les forces et les faiblesses des équipes. Tendance, Mam Khoudjessam. Ensuite, ambiance avec Rougi. Et puis, bien entendu, Moi, dernière rubrique, c'est une émission couleur 4. Comme quand on dit canette. On se comprend. Côte d'Ivoire. Dimanche, Côte d'Ivoire, on a failli être éliminé. On était humble. On a été repêché. On était humble. Mm-hmm. On a joué comme champion d'Afrique, on a battu. L'humilité a sauté. L'humilité est partie là-bas. Plus d'humilité. Il y a un moment où on vous comprend. Il faut vous dire que vous gagné la Coupe d'Afrique. Vous voyez, comme on dit, ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile. De toute façon, on va en parler tout à l'heure. Hein, parce que, affichez-moi vraiment, on ne s'y attendait pas. Beaucoup. Non, mais pas du tout au début. Ouais, mais pour le sport quand même. On les a vus dans le dernier carré, à part peut-être les deux grandes équipes. Traditionnellement, on sait que c'est de grandes équipes, moi, Nigeria, à Côte d'Ivoire. Mm-hmm. On a la chance, peut-être, on aura la chance peut-être d'avoir. Bon, et puis, c'est vrai qu'il y a l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Peut-être on a une petite chance d'avoir un nouveau champion d'Afrique. Oui. Pour moi aussi, pour le jeu de la donne Nertrop, même pour les Côte d'Ivoiriens, je suis d'accord. Hein? N'est-ce pas, Yacine? Waouh! Bon, moi, tout le Nigeria, je suis d'accord. À qui? Nous, tout le Côte d'Ivoire. Mais tout le monde est d'accord. On est revenu, on n'a pas peur de la mort. Ouais. Pour les Brésiliens, n'a pas peur. De couteau. N'a pas peur aussi de feu. De feu, ouais. Voilà. Donc, Mais Jean-Yves, moi, je ne sais pas comment tu as regardé le match RDC Cap Vert. C'était ça, hein, RDC Cap Vert. Et les derniers matchs de cette Coupe d'Afrique, il y a tellement eu de surprises. Oui, quand même. Mais de belles surprises. Par exemple, à RDC, moi, je ne l'attendais pas à cette. Mais bien sûr, on ne s'y attendait pas trop, vu comment ils ont débuté la compétition. Vraiment. Moi, il y a une surprise, vraiment, n'est-ce pas trop. Ouais, les gars, Denis commençait parce que Denis Dem, c'était son premier élément, Aïcha. Moke Kariti, Denis Dem, c'était l'avant-match. RDC. D'Ivoire, dans l'ultimate, dans pratiquement derby là. Parce que c'est deux pays où on a un peu comme Côte d'Ivoire et Cameroun. RDC également, Côte d'Ivoire également, donc tout ça dans le fair play, dans le jeu. Mais on va regarder le premier élément qu'on vous a proposé ce matin dans Couleur Cannes. Pombou Bess, Bignou Moudié Tabakh, Fiti Abidjan. Harkana Moudekbi, Sopé Koulol, Tiat, Yinyu Gen. Niki nonu, équipe Côte d'Ivoire bi. Benen xarkanam la woné ci jongonté dormu tok yi ci Coupe d'Afrique bi lolou mo len indi ci demi-finale yi supporters yi ñom djublu nañu ci jongonté ginnaw suba bi ak République démocratique du Congo ñu gis né Côte d'Ivoire day jël ndam li lolou moy sen mebet japp nañ né fi mu né ni équipe du len gawa gagnéti ci Coupe d'Afrique bi du ñak nak nga gis ñu am benen xalat supporter bi mom néna xawna titre ci match bi ndaxte RDC équipe bu bax la wante supporter yépp manko ci lenn équipe Côte d'Ivoire bi amna chance donté ni jour yaangi dem ba jeex ñu wax ni ñi ngi bayyi lepp ci loxoy yalla te gëm nañu né dina len gëna taxaw ci jonganté bi di ñew ñaari fan ño dess ci demi-finale bi équipe Côte d'Ivoire bi delu ci wat Abidjan file équipe bi nermelo bu metti ci match yu ñëk yi wanté bobu ak légui amna ay ciopité yu bëré joru MRS Faye yi wané bes di fakastalu wanté sa yu nek ñoy mujjé ndam li supporter yi di xaar ci ñom moy ñu def luñu mëne ba coupe bi dess fi ci Côte d'Ivoire lool lu leen ñor la la coupe le bougera pas. Première remarque, je suis en train de dire que si vous avez les rues d'Abidjan,
hormis sen pont bob vraiment machallah Sénégal mom warna mo nam pont bu mel non hormis le pont bo xolé mbeddi bo xolé nit ni ñuy démé sen cholin tu as l'impression d'être à Dakar. Mais c'est, écoute, c'est des villes qui ressemblent énormément. Abidjan et Grand Bassam, c'est comme Dakar et Saint-Louis. Mm-hmm. C'est la même configuration. Mm-hmm. Il faut dire aussi que c'est les mêmes colons à l'époque. Hein. Donc le traçage de la ville, oui, les bâtiments. Les bâtiments, mm-hmm. la ville, Amna, Côte d'Ivoire, c'est le plateau. Mm-hmm. Et c'est les mêmes configurations. C'est juste un peu plus grand. Mm-hmm. Et voilà. Danaka ben la quoi Yassine alors li nak avant match le reportage bi nga xamanteni mom lañ ñu jaglel ni avant match bon on sent la confiance hein retrouver la confiance des Ivoiriens mais ils sont quand même qui dé dañu xawa ragal RDC tout mais man Yassine lima bëggon ah c'est vrai mais RDC dañu mata ragal Yassine sama question peut-être hein moy ñaari équipe yoy kan nga japp ni moy favori qui est mon favori Côte d'Ivoire mais man yakar nani qui moy gagné Congo man Congo la faral match bi wa parce que dina am ci plan de bi yow Yassine ragalo Aïcha depuis 5 makara da ngay di tok suba ñom suba inshallah ñom ñu tok parce que boy set RD Congo da fa nek équipe bo xamné légui mi ngi monter en puissance li xewon en 2015 Côte d'Ivoire mu dan RD Congo 3-1 yakar nani du amat parce que équipe bi ni ma gis dafa nek équipe bo xam na nga gis envie bé concentration bé six joueurs yépp mudi équipe bo xam tamit da force collective ku ci melni ñi ngi am capitaine bo xamanteni machallah c'est capitaine mom machallah il est communicatif sur le terrain également kok la ragal parce que arni bu mu ñëwé Chancel Bemba bobu c'est depuis début de la CAN nu mu ñëwé quand tu le vois sur le terrain nu muy du baye dara décision arbitrale bu ne du baye dara koku mom jarna baye xel surtout lolu té buñ faté ni RD Congo mo danone Égypte moko éliminer donc équipe bu jara ragal la mais Yassine ñu tax nga may xol di rétan non dama xamné Égypte c'est une équipe expérimentée té qui téwul RD Congo dan nako donc mën nañ yaakaar ni ko suba Côte d'Ivoire dinañu abal Côte d'Ivoire dinañu abal attention à la Côte d'Ivoire attention au Congo alors yow nak bu ñu laajé nak xamna ni mom tu seras pas partial parce que xamna la yow mom depuis début mom tu disais Côte d'Ivoire mais en fait pour voir un peu façon qui dina ci ñew tout à l'heure Kumba dina ñew tout à l'heure avec les forces et les faiblesses mais quand on voit un peu la configuration de cette demi-finale là Congo ken xaru kon fi mu nek Côte d'Ivoire encore moins c'est deux pratiquement ñaari outsider Aïcha alors, pratiquement li Yassine wax nak par contre par rapport à la RDC c'est vrai ils ont une équipe très collective bo paré nak on sait que leur championnat interne il est très au top mais on se rend compte aussi que Faye en termes de placement en termes de distribution des rôles sur le terrain de fois mani de petit bol et chai parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le Mali à un moment donné. Vous remarquez toujours que la Côte d'Ivoire marque dans les trois dernières minutes. Donc, c'est peut-être aussi de la chance, hein, parce que le football de femmes, le mot andal. Mais j'ai, bon, je vois que cette équipe de RDC, avec la Ankela et l'expérience que la Côte d'Ivoire n'a pas, parce que c'est quand même une équipe repêchée, dynamitée. Mais la Côte d'Ivoire est égale. Bon, maintenant, après les pronostics, on va venir tout à l'heure sur les pronostics. Mais Côte d'Ivoire, beaucoup de tirs au but, parce qu'il faut les perdre. Vous avez des tirs au but, c'est un peu plus tard. Quand on a le Côte d'Ivoire, il y a des tirs au but. Alors, on va aller sur le deuxième élément, vous savez, Aïcha a annoncé qu'on a une émission. Aïcha, je vais vous lancer l'élément. Malgré la distanciation, je te délègue des pouvoirs. Moi, je suis venu avec beaucoup de crâne là, comme je suis en blanc. Mais Jean-Yves donc, deuxième élément sur nos émissions, Jean-Yves, comme la CAF, Confédération africaine de football, de femmes, conférence de presse, pour organiser Fallait, et l'héritier à notre ami, moi, nous a proposé, je t'invite. Avec footballistiquement, à aller regarder les événements. Invitation acceptée. Fernandez, la tenue tambalé, linga xamni, moy demi-finale yi. Groupe d'études techniques bu CAF nak Jakarlo ak taskatu xibaari ngi delu ci ci ay jangat yu ñu def ci compétition bi. Li nga xamni moy équipe yi ni ñi doxale sen évolution ci walum tactique ñepp daali gis ni bari na ay progrès ben ci exemple moy défense yi niñ ko doon tégué équipe yu bari daño serré sen axe yi fexé ba sen ligne défensive yi kawé touti ci terrain bi waye lolu taxul attaque yi ño jël ndam li
Clémentine Touré, ancienne internationale, fille de Côte d'Ivoire, d'Adi Gisni, le petit bougie, n'y a du gay, si milieu de terrain, ken mounou le compartiment bi, mou gana bar benen bindar, bui founek le don du gay, lolo waral, donte amne évolution si stratégie défensive, wa et terreul équipe, dougal bui yuberi. Fini tolle ti compétition bi, amne temer, ak fouk gnet, ti aï bui yo hamne, dougal nenko. 4-3-3 ak 4-4-2 nek dispositif yi ñu gëna gis équipe yi diko jëfëndiko ren joueur yi nak fi ñu juggé li ci ëpp championnat de France la mu am juroom ñenti fukk joueur yu fa juggé ñu gis ni championnat Arabie Saoudite nak amna joueur yu bari yu fa juggé ñu tollu ci juroom ñaari fukk ak juroom championnat Afrique nak fanwer ak juroom ñent donc ño fi juggé Afrique du Sud ño ëppalé ay représentants ndax ñom seen équipe bi bari na ci ñoo xamne seen réew lañu juggé taxaw nañu tamit ci li nga xamni moy critique yi ñuy gis ci arbitrage bi wa CAF nak nangu wuñu ko Raoul Chipenda nak moy ki jité groupe d'étude bi mom gis na ni CAF def na ay djégo yu am solo ngir fexé ba arbitre yi am niveau donté amna ay njumté yo xamne ragné nañ ko waye loolu du dara par rapport ak li ñu gis ci match yépp mom nak daali wax ni li ñu sanctionné qui donne arbitrer Sénégal Côte d'Ivoire mënu ci addu waye gis na ni arbitre dal ñi ngi progresser bu baax fi ci Afrique groupe d'étude bi nak da di rafetlu progrès yi nga xamné gis nañ ko bok na ci infrastructure yu baax yi nga xamné Côte d'Ivoire sant nañ ko benen raison bi nak moy dëkk yi nga xamné dañuy né ay dëkk yu ndaw lañu dañoo gorgodu loolu loolu waral ba juroom ñetti dëkk yi qualifié won ci quart de finale ci Cannes bu mujj bi ñom ñëpp genn nañu waye gis nañ tamit ni nañu doon gérer effectif yi doon na lu am solo ci dëkk yi nga xamné ño qualifié ci demi-finale yi ben ci exemple yi moy Malé mom donté tok na sax def na lu tollok ñaar fukk ak juroom ben ci ay changement Côte d'Ivoire def ñaar fukk ak juroom RDC def ñaar fukk ak ben waye ay dëkk yu melni Maroc wala Sénégal ñom fukk ak juroom ñent lañu def wala fukk ak juroom ñett ci ay changement faudra amener moi et Nathan Gobinek qui Côte d'Ivoire qui CAF B des stratégies techniques donc c'est toujours la canne des surprises hein. On est d'accord. On est d'accord. Conférence de presse, li ci gëna gën surtout moy les statistiques. Ouais. Statistiques yi nga xamanteni manam lu jëm ci nombre de buts marqués, ban secteur de jeu mo ëppalé ay buts. Mm-hmm. On a parlé également du nombre de joueurs yi joggé ci championnats différents, championnat européen. Mm-hmm. Et donc on remarque que France mo danaka mo ëppalé le mot indi ci ay joueurs ci Cannes bi. Donc manam danaka vice versa, on peut se dire que Cannes, comment s'appelle, la France, beaucoup de signes gagnent impacté ti Cannes bi. Oui. Ndax té bo fournir par exemple l'outil melni fuk ñet. Muy ñaat. Deugal jurom ñet fuk. Muy ñaat. Moy 80. Suma djumut ah ouais, parce que suma djumé mom fini ni sama réalisateur dina dor sama barami. Mm-hmm. Donc djurom ñet fuk danaka joueur professionnel lañu remarquer ñoo joggé fa ci championnat de France donc on peut dire que championnat de France quand même amna Cannes bi amna impact bu mu am ci championnat de France bi. Mm-hmm. Donc yépp ay statistiques lo yo xamanteni CAF d'habitude daf koy def donc moy ki technique bi nga xamanteni dañuy génné ay statistiques yu am solo yo xamanteni dafa bax aussi ni xam impact Cannes bi ni xam impact joueur yi impact système de jeu ak lool yépp donc nek na lu am solo lool Yassine. Mm-hmm. Yow lan mo ci sa jangat ak lan nga ci gëna remarquer. Wa li ma ci gëna remarquer moy les légendes du football déjà yu réunir pour waxtaner li nga xamné moy le premier bilan ci walum les aspects techniques ak tactiques du tournoi. Mud nekkon vraiment une compétition bo xamné c'est l'une des meilleures Cannes on va dire parce que c'est la Cannes des surprises ko waxone tay ji. C'est la Cannes de la Côte d'Ivoire. Quand même. D'accord, wone bum d'accord. Côte d'Ivoire kay merci. Donc amna solo dal sen ki bi ñu def conférence de presse bi ñu def ni. Très bien. Aïcha. Alors je veux juste rajouter quelque chose, c'est que 1907 lo Cannes bi yépp en général ti gradin
il y a toujours des spécialistes de football français. Il y a une fille dit frôle, dit étudier et joueur. Mm-hmm. Et en général, tu vas remarquer qu'après la CAN, toujours, il y a des joueurs qui changent de club, mm-hmm. ou il y a des joueurs qui partent. Donc, c'est aussi le seul pays où, enfin, je veux dire, ça fait longtemps quand même qu'on est ensemble. On chemine la France et l'Afrique. Et donc, c'est pour ça qu'en général, c'est aussi CAN, mais sous Palerec. Mm-hmm. Beaucoup de joueurs. D'ailleurs, pendant même la CAN, ils ont signé. Parce que Mercato de France, Danaka, Dalena Bobare. C'est ça. Donc, effectivement, Nigis également que les femmes impactent aussi sur les joueurs. Parce que aussi, ces performances en sélection dans une compétition comme la CAN, de déterminer également ce suite carrière par rapport à telle ou telle équipe ou par rapport à tel ou tel championnat. Exactement. Et puis, de faire aussi chiffrer, quand même, Nikkei Guéné, Niti Ham. Impact également de la CAN. D'ailleurs, même, on parlait des journalistes Rennes, CAN au Côte d'Ivoire, bi, dans le mot un agrément, il y a des journalistes étrangers pour nous couvrir. Quoi. Mm-hmm. Donc, tout ça pour dire que CAN, quand même, il y a cette mort de gants. C'est l'une des meilleures CAN, franchement. Même au Côte d'Ivoire, c'est la CAN à quoi bas, c'est chez nous. Voilà. Ah, il y a les gars sénégalais. Non. Actuellement, mi nga xamanteni ñu bari nak ñu koy xaar surtout suñu internet yi ndax ci lañu am ay information yu muccu ayib ay information yu non tay mom sama def non il faut reconnaître quand je suis pas assise à côté de toi tu parles bon distanciation du bac merci beaucoup directeur Ban ni nga defé direct distanciation du corps séparation de corps bi ni amna solo lol alors Yassine les actus waaw Jean-Yves tay 3 actus la len indil bi ci jitu moy ginnaw bañ len éliminer en 8e de finale par l'Afrique du Sud. Walid Regragui était pressenti pour perdre son poste. Le sélectionneur avait lui-même annoncé qu'il quitterait ses fonctions s'il n'amenait pas le Maroc dans le dernier carré. Après cet échec, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde s'est réuni avec les décideurs. La Fédération royale marocaine de football a choisi de le maintenir à son poste avec en ligne de cire la CAN 2025. Communiqué, bang, non, non. Mm-hmm. Voilà. Elle a officialisé la nouvelle via un communiqué. D'accord. Donc, Lolo, amne solo, Jean-Yves, que disons, il est important, cette fédération, d'y am confiance. C'est vrai que ce n'est pas évident. Un échec, c'est toujours cuisant. Mais sauf que la femme, sa fédération, bien que de la soutenir, c'est déjà comme notre soutien sélectionnaire, ça a été la même chose. Donc, on souhaite beaucoup de chance quand même à Walid, tu suis tout sélection marocaine. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais Walid, Regragui, mal de faire de fouet. De faire de Il est le Maroc, le dernier carré. Elle suit en classe. C'est pas pour rien qu'elle fait partie toujours des premières de la classe. Mashallah. Parce que, en fait, Walid, de fait, il est le Maroc, c'est dans le carré, il est démissionné. Bon, maintenant, pourquoi Fédérès, comment s'appelle, Fédération Il est le Maroc. Ne tok non ak Yassine fumu tok non fofu xalaati yene kay genné ni pencho waxtan ak sunu téléspectateur amna solo man la question que je vous pose lam waxe ci digënté bi ba mom il est revenu sur sa décision et puis tamit fédération marocaine defat ko confiance yene ban jangat ngeen ci am quoi qu'on puisse dire, hein. Mm-hmm. C'est un bon sélectionneur. Déjà, compétition, moi, des fois, des fois, on a gagné, des fois, on a perdu. Mm-hmm. Donc, je trouve que ce n'est pas une raison. Nous perdons, nous avons changé de sélectionneur parce que l'on a impacté sur le bruit. Okay. Donc, normal, nous avons une chance. 2025, peut-être Maroc, mais je ne sais pas qui c'est. T'as yalla noko Sénégal djël moi je trouve que xam nga entraîneur dañu am ay objectif et quand un objectif n'est pas atteint fait que parce que l'entraîneur c'est lui qui fait gagner son équipe c'est l'un des responsables c'est ça et donc mom xam na def ko wax par dépit. Et il pensait que justement il allait arriver en finale, mais bon, malheureusement, je pense que sa fédération lui a juste fait confiance, jusqu'en 2025 en tout cas,
pour une autre compétition. Mais Walid aussi, il s'est fait remarquer qui a une déclaration, non? Il parlait beaucoup. Il parlait beaucoup, quoi. Hein? On l'a entendu avec l'histoire de Côte d'Ivoire, on est les demi-finalistes de la Coupe d'Afrique. Non, j'ai pas atteint mes objectifs. Mais bon, allez, c'est juste pour taquiner. En tout cas, on lui souhaite vraiment bonne chance. Oui. Bonne chance avec l'équipe. Yalla yo boîte Maroc Coupe du Monde. Fou gëna sori fum ko yobul lool yépp ndam Afrique lay doon du dëgg waye mom buñ dajaté Coupe d'Afrique mom nako Sénégal gagné dem du lool lay ñaan na leen amin waye amin merci beaucoup jërëjëf alors deuxième information Yacine wa le nom d'Amir Abdou est soulevé parmi les potentiels successeurs de Djamel Belmadi celui qui a réussi une CAN historique avec la Mauritanie éliminé en 8e de finale n'est pas insensible aux sirènes algériennes qui se limitent toutefois à des connaissances qui le sont. Le technicien franco-comorien ne serait pas contre diriger les Fenex. Montrez-moi un entraîneur qui refuse l'Algérie. Je ne peux être insensible à l'appel d'une grande nation de football telle que l'Algérie. Cependant, je dois préciser qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a eu aucun contact entre l'agence qui me présente et la fédération algérienne, a-t-il dit. Buñ ko contacté bañul dem ki nek sélectionneur algérien c'est pas mal hein waaw mais man bon xam nga des fois au départ man quand j'ai entendu l'information de ma yakaroni fédération algérienne moko contacté oui c'est ce que j'avais cru comprendre des fois tu sais les informations là ça part juste d'une question en conférence de presse d'un journaliste et après on en fait un titre Gaïa Karni Negni parce que bon Fatiliko Algérie je pense on parlait à un moment donné de Zidane il donnait est-ce que Zidane d'une équipe B chose qui me semblait assez improbable parce que Ahmed Zidane il a peut-être d'autres ambitions malgré que le fait que moi aussi il est d'origine algérienne mais il est donc, naturalisé français oui oui bien sûr mais à l'instar des Africains de tous les Africains ce deck c'est origine quand même de faire un bon attachement bouti am toujours donc yoy buñ ko déggé on peut se dire que voilà ça peut être lu am mais pour revenir un peu à ce coach là moi je pense que c'est pas juste une question à laquelle il a répondu et mais bon comme on dit wait and see Aïcha wait and see peut-être on sait jamais hein, parce que quand même le coach là Mauritanie am na fu mu yobou Mauritanie donc on peut supposer et je pense à juste titre que c'est un bon coach parce que équipe Mauritanie elle a été éliminée mais bo xolé jeu bi nga xamanteni Mauritanie andi nako technoko si kan bi andi nako si kan bi discipline bi ni gis des joueurs les schémas tactiques yu mu tek mais on sent derrière que le coaching il est très bon. Donc, coach B, pourquoi pas, Aïcha? Oui, pourquoi pas. Maintenant, le secteur du football, c'est un secteur assez passionnant. Denis Diante, expertise avec bug entraîner équipe. Mais je pense que je suis sceptique quoi, qu'il aille entraîner une équipe comme l'Algérie alors qu'il a déjà commencé un travail avec la Mauritanie. Et ce travail-là, moi, je serais lui, écoutez, je vais continuer à le faire pour les prochaines compétitions. Quoi. Maintenant, Sportsby, moi, il a été Yenani, je ne sais pas si. Il y a un contrat, il faut dire que le Mauritanie. Ce modèle noir Mauritanie. Des entraîneurs comme ça parce que nous connaissons depuis le début quand nous sommes consultants nous sommes avec nos Mounir et autres on rappelait que le coach là il a fait des résultats de faux résultats qu'est-ce avec Mauritanie il a fait des résultats également avec Comores C'est un franco-comorien voilà avec Comores je pense que Bounelène 8e de finale je ne sais plus donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait des résultats tu vois Moudam c'est une nation Mauritanie def ay résultats également donc c'est un bon coach bu ñu wara baye xel et suma doon wa Mauritanie je pense que dum ko baye bu dem de suma ko na day yokal sa dama kay yokal wa ñu ni comment on dit yokal dam kay
yokal ay ndambay alors troisième information Jean-Yves Niki Dembo la fédération camerounaise de football a annoncé que l'ancien joueur Samuel Eto'o dafa demandé won à ce que pour me démissionner pour quitter li nga xamné moy ses fonctions. Néanmoins, dans ce communiqué publié sur le site officiel de la fédération, il est précisé que le comité exécutif de la fédération camerounaise de football avait refusé la démission de Samuel Eto'o, l'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter. Mais man Cameroun da Samuel Eto'o fils Cameroun dafa nek équipe bu am vie, c'est-à-dire fédération bi équipe bi chaque coupe il faut qu'il se distingue par quelque chose. Vous n'avez pas remarqué, c'est vrai que gardien camerounais bi ak Onana et tout, ils ont une très compliqué, mais c'est très compliqué depuis 2022. C'est une relation parce que on en a des fois et tout d'homme là papa là moko on est qui, mais après nana et tout derrière, bon, en fait il y a eu beaucoup de problèmes et tout nana même c'est un homme qui se fait respecter d'où n'est que fait dit d'où goûte à détails, surtout que le Cameroun a fait une piètre prestation lors de cette Coupe d'Afrique et Onana en est responsable. Dans les palabres, il a beaucoup reçu comme critique lu ne waxnu ko ko te Eto'o bu nu fatani Eto'o depuis bi mi nek joueur dafa don jappale l'équipe de Cameroun. Eto'o, je me rappelle ay jamono ils avaient des problèmes de prime, c'est lui qui payait. Eto'o mo don jël khalisam diko fay fek mu ngi sax joueur, tu vois, mu dem ba baye carrièream comment s'appelle jéxal carrièream de footballeur. Nous, ni def ko président de la fédération de football muy jël ay moyens du ci def. C'est vrai que nak on lui reproche beaucoup de choses, hein, et puis peut-être à juste titre, hein, parce que on lui reproche par exemple que def il s'implique trop dans les décisions du coach, il s'implique trop dans l'aspect technique de l'équipe, alors que même président de fédération qu'est-ce là bokay comparé par exemple à qui nga xamanteni moy Augustin Senghor du Sénégal. Augustin danaka tu le vois même il est voilà. Bon, mais aussi tamit caractère Eto'o, on le comprend. Eto'o c'est quelqu'un, c'est bagnkatla, c'est quelqu'un qui a envie aussi également que son équipe aille loin et tout ça, donc implication on peut comprendre ça. Mais bon, alors néna day de fa beaucoup démissionner, on refuse sa démission. So don mom loy def Aïcha. Écoute, moi je pense que Fimou nek def li mou investir ti fédération bi mom ak rol bi, c'est pas c'est une histoire qui date de 15 ans. Mère en fait. Mais s'il démissionne, il faudrait aussi que Eto'o laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais Eto'o ya goul ci fa fédération bi ya ci ya goul fa lol de. Ouais, mais ce fait que ya ngi ti fédération bi ya ngi ti on a qu'à se dire la vérité. Un dirigeant reste à sa place de dirigeant. Maintenant, il faudra mettre les bonnes personnes à la place qu'il faut pour le travail qu'il faut. Donc, Eto'o Momo est le président de l'institution footballistique du Cameroun. Ok, d'accord. Peut-être de fois ce serait à comme moi que vous critiquez, vous me recevoir, mais dans ton grec, vous gérer. C'est que Cameroun n'a pas de voir. Cameroun n'a pas de voir. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Merci beaucoup à Yassine pour ces infos. Info Cannes, donc, mom.
lay présenter ak ki nga xamanteni moy rakki donc dama inshallah xamna rakki moy ñow defena rakki moy ñow xam ñom dañuy def permutation ñom ñom permutation classement comme tay da nga def distanciation sociale voilà comme ñu def distanciation amul ben problème mais man dama bëgg ñu waxtaan la te Kumba di ñow ci affiche demi finale que ce soit la RDC la Côte d'Ivoire l'Afrique du Sud et le Nigeria day nek lo xamné Yves on aura beaucoup de on aura moi pour moi on aura du beau jeu déjà par rapport même à l'Afrique du Sud ou au Nigeria maintenant RDC Côte d'Ivoire nak comme je t'ai dit je reste un peu sceptique ouais justement nak Kumba lolé ni andil c'est à dire que avec Kumba on va parler des forces et faiblesses de chaque équipe. Ah. Wow. Donc ça va nous permettre de mieux cerner un peu ces deux matchs de demi-finale. Un match qui promet vraiment, hein, comme nous l'avons dit Aïcha. On s'attend à du bon jeu et on espère qu'on aura des tournants, on aura des retournements de situation, tout comme lors du match Mali-Côte d'Ivoire. Ouais, mais match bobu nak amna ko xamanteni bugul deg tournant ci bo. Wagé. Ah yaay wax. Wagé dama décourager. Amna ko xamanteni mom bugul deg tour match bobu nonou. Waaw. Mais on aime bien le bon jeu, on aime bien le suspense et sport surtout football lol motax ni bëgg ko. Ndax té jusqu'à la 90e minute, je dirais même pas 90e, jusqu'à la 120e minute. Luné mën na xew. Donc et c'est pour ça qu'on aime le football. Mm-hmm. Alors, Kumba mo ngi sol maillotam, mo ngi sol ay godassam. Non mais c'est comme gis na Kumba sol elle est orange blanc vert. Mo ngi sol ay kiyam, mo ngi tak ay xam débat dé bi, xam ñun ko ki wa nawétan, tam ni tak affaire. Xam nga orange blanc vert. Waaw, mom na dafa mëni couleur Côte d'Ivoire. Ak yow, mo dafa mëni dafa and Côte d'Ivoire. Yow noir bi yépp gisoko, yow orange bi la gis. En tout cas, Kumba va nous rejoindre. Kumba. Aïcha bismillah. Il a aidé. Waouh, t'as même Kumba, elle est en forme. Machallah. Kumba n'a pas d'effet. Magnifique. Alors. Aïcha? N'a pas d'effet. T'as même sa couleur de Ah oui. Oui, orange, blanc, vert, là, oui. Merci beaucoup. Mais Kumba, je ne sais pas si tu as un clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Parce que y a une Côte d'Ivoire, une couleur Côte d'Ivoire. Tu as un hasard, là? Non, je ne sais pas. Ah! Oh, de que faire, mon Côte d'Ivoire, mon. Laisse tomber, quoi. Ah. Désolé, chérie, mais je ne suis pas pour la Côte d'Ivoire. Quand émission Color Can, émission bu neex bi, émission bo xamantani les plus informations ci Can bi, ñu woor ko ko bëgg. Dañu fi en direct cette année émission bi pour vraiment nek à jour ci Can bi. Pour nek à jour mais également dans la bonne humeur, hein. Comme ñu koy waxé ça c'est une autre façon de vivre la Can en Côte d'Ivoire. Alors, Kumba, avec toi nous allons parler de l'affiche, des affiches plutôt, parce que ñaari match là. Donc, depuis le début de l'émission, on aura, je pense, le premier match Côte d'Ivoire, RDC. Nigeria, Afrique du Sud. Et on aura également Côte d'Ivoire, Congo. Alors, force et faiblesse des deux équipes. Lolo, Dina, Am, Solo, Lolo, on va commencer par le premier match. Tout à fait. Aïcha, Kumba. Yow, langue tu dis, lo xamanteni war nañ ci mëna baye xel. Afrique du Sud, Nigeria. En tout cas, je peux dire que les demi-finales, ça promet, avant tout. Que ça soit du côté de la... Du Nigeria ou de l'Afrique du Sud. De la Côte d'Ivoire et de la... On parle d'Afrique du Sud et Nigeria. Voilà. Mm-hmm. Par rapport à l'Afrique du Sud et au Nigeria, je pense que le Fenech Nyar et Kibyo Hamantani, Mouno Wach, du côté pourcentage exactement, telle ou telle équipe, Moi, je suis au devant. Parce que non seulement, il faut savoir qu'en 2000, ces équipes-là, ils s'étaient croisés en demi-finale de CAN. Et le Nigeria avait gagné l'Afrique du Sud. C'est ça. Donc, de fait, que soit revanche les donne de l'Afrique du Sud, ou le Nigeria a fait le monde de confirmation. Voilà. Donc, nous pouvons poser une question par rapport à ce match. Nigeria tay ñew na
On a vu Osimhen bo xamantene il est en très bonne forme. Osimhen mom c'est le feu. Mm-hmm. Feu le vraiment ci Nigeria. En plus de cela en Afrique du Sud. On voit le rue tout à l'heure xamantene. Ñom ñoo nek ci même club à Mamelodi. C'est ça. Donc l'avantage de ñom parce qu'ils sont habitués à jouer ensemble, ils se connaissent. En dehors de l'équipe nationale, en club également, ils le font. Donc, il y a un match qui est en train de se faire parce que demi-finale, c'est le Moussouliombo. C'est l'un des matchs les plus difficiles, même que la finale. Je crois bien, parce que même si je ne me trompe, même en 2015, Dadia en quart de finale. Encore une fois, Nigeria a gagné. Donc, revanche la dalle pour l'Afrique du Sud, je ne sais pas. Alors, revanche, la base de ce premier match-là, de ce match, parce que Disna, le gardien sud-africain, il s'est démarqué. C'est-à-dire que toutes les coupes qui ont été organisées, Fiti, Mondoui, c'est la première fois qu'on voit un gardien arrêter 4 tirs au but. Sur 5. Tu bènes le match. Le gardien, parce que le gardien est quand même, si je veux dire, la force de l'Afrique du Sud, déjà, c'est le jeu collectif. Mm-hmm. C'est aussi... La solidité. Mm-hmm. Bon, pareil, avoir un gardien comme ça, ça, c'est une force. Maintenant, la faiblesse... faiblesse Afrique du Sud, début compétition, mais avec faiblesse Afrique du Sud, demi-finale de Boko. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont réussi quand même à résorber beaucoup de choses, mm-hmm. à corriger leur jeu pour arriver à ce stade de la compétition, Jean-Yves. Alors, dans l'histoire combat, dans l'histoire de ces deux nations, mm-hmm. dans l'histoire footballistique de ces deux nations, madame Sendadiep, Dangaï Setluni, Nigeria, mon peuple d'or Afrique du Sud. Mm-hmm. Alors, on a 8 victoires pour le Nigeria. Contre 2 victoires pour l'Afrique du Sud et 5 nuls. Alors, beaucoup de ces dernières confrontations en 2019, en 2018, en 2017, en 2015, en 2014 également. Beaucoup de ces dernières confrontations, tu vois que ascension, madame, psychologiquement, Nigeria, moi, un peu ascendant. Tout à fait. Alors, mais Nakli, c'est autre chose. Li, c'est un match de football, on est d'accord, mais c'est une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mm-hmm. C'est le dernier ticket pour aller en Coupe d'Afrique. Maintenant, est-ce que footballistiquement, ou bien Bundé Hall, résultat de l'équipe Amnanko, Nigis Nigeria, Mona Kichikanam, par rapport au nombre de matchs gagnés, est-ce que d'une ascendance, d'une différence, ces matchs? Alors, comme on dit souvent, le football n'a pas de logique. Lolu ñepp gis nañ ko té ñepp xam nañ ko amana tay ji ni Afrique du Sud lolu dina gëna nek sen force tay ji pour vraiment s'imposer dans ce match là na té buñ la yak di door bo sosé rek da ngay bëgg fayu donc tay yaakar na ni Afrique du Sud nek na équipe bo xamanteni jang na lu bari ci début compétition bi ba tay. Té yakar na ni suñu sen coach bu xolé ci sen erreur ñu jotone def au début et ba légui ni dina jëma comparer lolu nonu ak xol également peut-être les faiblesses du Nigeria pour mëna dajalé lolu yépp joxé ko té suma nékkon mom tay damay jëma xol les joueurs vraiment offensifs tay ji ni mu tek leen au devant pour dès l'entame du match s'ils ont la possibilité de marquer et de défendre par la suite, nous devons. Alors, par rapport aux forces et faiblesses, parce que l'on n'est que toujours dans ce match-là, est-ce que Mme Diapani, le gardien de l'Afrique du Sud, c'est la principale force de cette équipe-là? Oui, pour moi. Mm-hmm. Avec ce que j'ai vu, parce que ce gardien... Attention, Dana Diap 4 penalties avec mon tac que Dana Draoude. Non, justement. Hein? Voilà, argumentaire qui est dégré. Mais même les autres matchs. Il a été très décisif. Voilà, il a été très décisif et c'est une force. Pourquoi? Parce qu'il donne beaucoup de confiance à ses défenseurs. Mm-hmm. Il est là, il est présent et il est confiant. Donc, d'ailleurs, on le voit à l'écran. Voilà. Ouais. Donc, il est capitaine, hein, en plus. Donc, mais en fait, il faut que tu toute compétition confondue.
Il a marqué son empreinte. En phase d'élimination directe, mais c'est extraordinaire. Parce que tu aimerais être à sa place. Alors, donc, force, Afrique du Sud, principale force, Mnonko Diapé, son gardien, qui est en même temps le capitaine. Force, Nigeria, Mnonko Diapé, l'attaque avec Osimhen. Est-ce que Mnonko Diapé est fauf, Aïcha? Pour moi, Adèle, quand je regarde le jeu nigérien qui a été très, qui n'a pas été très constant durant toute la compétition, je me dis que Nigeria su nyo de nyo ak lenen, parce que même sous fait que qui aurait champion, comment on dit ça encore, Ballon d'or africain. Le Ballon d'or africain. Osimhen n'est pas le seul dans cette équipe, donc je pense qu'il n'est même pas décisif. Par rapport à... Ah, il a marqué deux buts quand même. Oui, deux mais buts il, n'est très pas, il n'est pas décisif dans, dans, le, mais au fait, dans genre, le système d'attaque. Pour moi, il a un mental bohamantani. C'est son mental. Il peut amener très loin son équipe. Mm-hmm. En tout cas, dans son club, Momdenkei Dior Moudougal. Mais il fait ici bien l'équipe. On voit les frères aussi. Je te dis une chose. C'est pas parce que Dougoulo match rec que des fois au match. Son apport, effectivement, l'homme se voit. Apport beaucoup dans le collectif. Mais justement, il n'y a que lui. Et ça, c'est dangereux. Maintenant, attention, malgré ça, le Nigeria est en demi-finale. Donc, attention. En tout cas, c'est très discuté. Oui. On verra. Hein. Donc, lui, mon école première. Quand de la surprise, voilà, quand de la surprise. Équipe nigériane, parce que s'il se blesse ou s'il a un carton, ça va être compliqué. Ok. So, you will know. Yeah, you will know. You'll know. Pour faire vraiment. Non. En Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, maintenant, Denis Diallo, rapidement, tu deuxième affiche, me concerner le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, la RDC, Congo. Ah, mais quoi, mon camarade. Moi, avant tout, je suis pour la RDC. Aïcha, je suis vraiment désolée. Deuxième heure bi la. Parce que non seulement en dehors du fait que RDC da fay dajé le pays organisateur, ñaari équipe bi également mussone nañ dajé en 2015 encore. Donc et la Côte d'Ivoire avait gagné. Deux matchs demain yi ñom ñaan ñep équipe bu ci nek dajé nga ak sam morom ci phase bo xamanteni c'était décisif pour ton équipe. C'est 2015, Côte d'Ivoire, mondial coupé. Et voilà. Mm-hmm. Donc, non seulement Côte d'Ivoire, d'une bug imposé Watt devant son public, marqué Watt ton empreinte, d'un final, parce que jusque-là, il se dit que c'est sa finale. C'est sa canne. T'étais dit, ni, Côte d'Ivoire, mon am a eu difficulté demain. Surtout, amna ay joueurs offensifs et défensifs yo xamanteni malheureusement ils seront absents ndax soit cumul de carton la wala ñi dañ leen jox rouge direct. Je mène Serge Aurier wala Kwame wala Kossounou etc. On a d'ailleurs même ci fofu nonu pour taxaw fa Serge Aurier du jouer capitaine. Kwame du jouer Kossounou du jouer Diakité mom dafa def erreur bo xamanteni vraiment erreur de débutant deug et puis gis nañ ko la fin du match muy joy yow nga fi c'est mieux sama yow mais tellement on le comprend parce qu'il a délivré tout ton tout peuple à la 80e gars gars c'était le sacrifice quoi ouais. Il s'est sacrifié pour l'équipe mais bon allez ça c'est une erreur quand même de débutant quoi on n'enlève pas son maillot lol monde dafa l'air dafa content ba fatte woni que match bi jeexagul ouais. Donc c'était juste parenthèse nga balma si par rapport à ñi nga xamanteni équipe Côte d'Ivoire ñi nga xamanteni ils jouer parce que pour des suspensions voilà comme niñ ko waxé lolu mëna nek sen principal point faible. Parce que Côte d'Ivoire, bu naré ñak sen joueur offensif et défensif yi di dina duma né dina compliqué ci ñom mais certainement sen coach dina jëm xol lu mo coller les morceaux jëm fat fofu nonu pour ñu mëne na remplacer té ñom ñu ngi
ci sen cerveau ñu ngi nane comme nuñ koy faral di wax on ne vaut rien mais on est qualifié à chaque fois buñ leen doolé ñu qualifié c'est ce qu'ils disent genre lool da fay mel également comme sen ben force bu ñu am faut di gëna avancer ci compétition bi té derrière ça dañu kokoli ño xamanteni dañ leen do wax ni que il ne valait rien tout à fait non mais c'est vrai aussi ça dit que ñaar équipe yo xamanteni ñom déjà sax les gens doutaient d'eux dans non douter si c'est une capacité à aller loin dans cette carte là côté mani Congo ñom sen voisin mom c'était clair on leur disait yeen dañu dem promenade rek way dañu delu ciat légui légui tout à fait lol cancel même bandé sans à chaque fois buñu gagner jusque là danane il y a un an on se moquait de nous même pour les qualifications on a gagné et c'est le destin de Dieu quelque chose comme ça genre da fay bëgg wax ni que même nit ñi buñu continuer di len di togn et tout ñom yalla mu ngi and ak ñom té à chaque fois ñu prouver ni que ñu ngi gëna avancer ci kan bi très bien alors même statistique un peu ñi gis ni Côte d'Ivoire mo am ben ascendant touti par rapport ak sen dernier match yi nga xamanteni sen dernière confrontation parce que Côte d'Ivoire mu ngi am 8 matchs yo xamanteni gagné nako contre Congo Congo am 5 victoires et 6 nuls donc dafa melni ñaari équipe yo xamanteni danaka dañu xawa tolo doole touti même boudé Côte d'Ivoire mo am ascendant donc très rapidement on va y aller rapidement ci force yi ak faiblesse yi alors Aïcha dama lay bay les forces de la Côte d'Ivoire Kumba nga wax ma les forces du Congo rapidement En fait moi je pense que la force de la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est même pas les joueurs c'est le coach Et le peuple aussi hein. Et le peuple oui. Et tout le parcours que la Côte d'Ivoire a eu depuis le début de cette compétition. Donc pour moi, il s'entraîne avec ses joueurs. Donc c'est quelque chose pour ramener un impact des joueurs. On s'est rendu compte qu'avec le match contre le Sénégal, il a enlevé les joueurs décisifs. Donc je pense que ça aussi, ça peut jouer sur... Non jamarek ma ngi fum tolli man ya ngi wax ak téléspectateur man ma ngi waxtan ak sama réalisateur waxtan yu neex sax machallah donc voilà c'était ça donc à prendre en compte oui. Attention attention alors force du Congo alors non j'arrive Congo on peut dire tay di ni sen mental ou capitaine Cancel Mamba Chancel boy hall ti bir match bi sax buñ leen xawé mëna sax mu ngi yuux mu ngi leen di jëm ñu xadar bu muy wone ci terrain wala xadar bu muy andal pour ñu baña décourager té amna solo trop té sen équipe bi amnañu gëm té amnañu force bo xamanteni loolu da leen di permettre ñuy gën di avancer ci kan bi en toute sérénité fekk do xamanteni duñ nekk fi ni di am di xeb yenen équipe yi wala buñ amé c'est le contraire ça nit yi ñu leen di xeb en fait mais ñom duñu xeb équipe bu leen donc lolu amna c'est très important merci beaucoup donc Kumba pour cette petite analyse sur les forces FBS des équipes donc qui vont jouer les demi-finales de la CAN donc du fatalini affiche bi soubala donc première heure nous aurons Afrique du Sud Nigeria, Afrique du Sud. Deuxième affiche, nous aurons bien sûr le pays organisateur, les éléphants de Côte d'Ivoire, Narada Diek, RD Congo. Donc à suivre tout ça sur la RTS2. Merci beaucoup. Merci. Kumba, d'une Dalushat Souba. Bien sûr. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mabaye Ngatagato. Donc voilà, encore une fois, je suis très heureuse de vous rejoindre dans l'équipe et tout. Et merci à Jean, merci à Aïcha et aux téléspectateurs de la 2. Qui confiance bien toujours chez Télébi pour 17 ans couleur canne. Merci. On se dit à bientôt inchallah. Merci beaucoup. Du fait de Kumba, maman, xam nga li ñu wax ci football mercato. Mercato. Ouais, mom elle a rejoint l'équipe en pleine saison. Bah dañ ko recruter pour mu ñeu renforcer défense bi. Mom day renforcer défense, renforcer milieu, renforcer attaque. Attaque. Lepp lay renforcer. Merci beaucoup Kumba. Merci à vous. Allez, merci, on se donne rendez-vous demain avec Kumba qui va nous rejoindre également pour yeneni mbir dans couleur canne. Alors très rapidement on va recevoir sur plateau bi Aïcha qui nga xamanteni moy mam Koundé pour mam Koundé nak j'aime bien ses interventions parce que mom fene lay guenné wa ba pa dafa doj xalé bi ak doj
la beauté, le chic hein, de cette canne-là, parce que canne, quoi qu'on dise, canne ou sancelle, canne célébrité, là, on voit même que il y a une célèbre actrice nigériane qui a qui a rejoint donc pour aller soutenir son équipe. Donc Ramna Khoudia Mamdina Indi a tendance, comme elle dit, elle le dit tellement bien. Tendance. Alors, est-ce que elle est là, notre star de couleur canne? Alors, on rappelle également qu'après Kumba, Rugi. Sama Rugi. Ambiance. Binga Hamantini Amna qui canbi. Moi, linga Hamantini Dolan Kegis Telebi. Dolan Kegis. Ah, Sama Rambesh Bahna. Dolan Kegis. Donc, ce sera tout à l'heure. Alors. Bonjour Jean. C'est El Mastar. Non, c'est Aïcha. Ça va? Ça va et toi? Tout ça sur la supervision de El Danan. C'est qui El Danan? C'était un clin d'œil. Il fallait que je me tourne. Alors, Mam Khoudia, il y a une tendance. Voilà. Tendance canne. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Dini Boubar, sous une téléspectateur. Télian Ouar, Dalena Djam, qui couleur canne, rubrique tendance, Nyawadna. Alors, Taïnak, on va faire un petit jeu avant d'aller chercher l'élément. On va faire. Il y a quoi à gagner? Déjà, les téléspectateurs bon dire, de bon sont très cultivés. Hey, Jean-Yves. Non. Jean-Yves, comment vous l'ignorez? Et c'est également parti pour les téléspectateurs. Finutok, essayez de deviner, c'est quoi l'objet phare de la compétition? L'objet phare. Oui. C'est l'objet phare de la compétition. Ça doit être la coupe. C'est pas la coupe. L'objet phare. L'objet phare de la compétition. Moi aussi, j'ai donné pour toi. Même Badi connaît. Donne pour toi. Mon ami Badi, il connaît. Même. Wagé, vous me le soufflez derrière. Marie Hamna. Non, Wagé, soufflez-moi derrière. Mais c'est le ballon. C'est le ballon. Quoi? C'est la coupe. C'est le sifflet. Je vous laisse découvrir ensemble quel est l'objet phare de la compétition. Aïe, Jack, madame Paul. T'es pas sérieuse. T'as trouvé. Bravo à qui? Bravo. Bravo à Jean-Yves. Ouais. Ah, j'ai gagné. Ma question c'était qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Si c'est un bol de tchéré bien chaud pour le petit déj, je suis partant. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, le ballon, c'est vrai, on en a beaucoup parlé, Khoudia. Il est magnifique. Il est magnifique, le ballon de la Coupe d'Afrique des Nations. La moitié de mon pays. Ouais. Parce que moi je suis sénégalo-ivoirienne quand même. Et ballon binat amnatias. Et puis customisation. Oui. C'est fait par Puma. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Bah, sans faire de la publicité. La petite panthère. C'est ça. Et donc, c'est la tendance de cette. Voilà, donc félicitations à Jean-Yves. Mais il gagne quoi? Félicitations. Là. Ça, c'est après hors antenne. D'accord. Hors antenne. Donc voilà, alors aujourd'hui, l'Union de l'ONU m'a dit l'objet fétiche de cette compétition qui est le ballon. Alors cette année, le ballon est un symbole, Bohamantane, d'un qui honoré à chaque fois des légendes du football.
Cette année, on a choisi Laurent Pokou, voilà, un ancien Ivoirien, international Ivoirien, qui est décédé malheureusement. Qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est ça. Alors, pourquoi cet hommage à Laurent Pokou? C'était le meilleur buteur de l'histoire de la CAN depuis 1968. Alors, la CAN était organisée en Éthiopie à cette époque et il avait marqué 6 buts. Et avait même permis aux éléphants d'arracher la troisième place de la compétition. Suite à ça, en 1970, retour au Soudan, il fait mieux que 6 buts, il nous offre 8 buts extraordinaires. Donc c'est un hommage largement mérité. Il a tenu son record de meilleur buteur de la CAN pendant 38 ans. C'est Samuel Eto'o, le Camerounais, qui l'a vraiment délogé de son trône en 2008. Alors, c'est un vibrant hommage qu'on lui rend à travers ce ballon. Super. C'est également un vibrant hommage qu'on lui rend à travers le stade dénommé d'Abidjan. Voilà, Laurent Pokou. Je sens que Taïmoum... Quand on parle de Côte d'Ivoire... J'ai une histoire avec Laurent Pokou, justement, mais on va revenir là-dessus une prochaine fois. C'est Fimou Dekon, Fofolo Dekon, était dans le même quartier, donc c'était une référence. Et on était tout le temps chez lui, et... Vraiment, merci beaucoup. Parce qu'en fait, Couleur Canlol, on apprend des choses, on apprend beaucoup de choses. Et c'est grâce à ce travail que vous faites derrière. Vraiment, ma chère. Mashallah. Gatchingalama. À toute l'équipe de rédaction. Maïfaj, nous sommes une équipe à Kanyo Grau. Mom Yassine, Raki, Djamboigne, avec son directeur Ban, à Kanyo Grau. Félicitations, merci beaucoup. Félicitations à vous. Rendez-vous, ce sera demain? Demain, Inch'Allah, même heure, même antenne sur la 2. Et puis, restez connectés à nos programmes. Boulen Fateh Setan, la demi-finale, c'est ici aussi. Très bien. Alors, on va regarder une vidéo, c'est ça. C'est ce que me dit mon réalisateur. Ce qu'on a fait, accueillir Borom Ambiance pour les 10 dernières minutes de cette émission au Couleur Cannes. Aïcha, Wagani Dam. On adore Rogi. Ça c'est Dougoussi. Rogi Bouy Dougoussi, vraiment, tout le monde est content. Borom Ambiance. C'est toujours comme ça hein, avec Aïcha. C'est pourquoi on l'adore. Bëgg di bok ak mon plateau, mais c'est parfait. Mais également toi, Borom Melodies. Sans frontières. Sans frontières. Vous êtes là. Vous êtes là. Alors.
Avancer. Alors, bien sûr, comme d'habitude, dans des vidéos intéressantes, des vidéos ambiance. T'as une langue nous prépare. Alors, une légende de la culture et de la musique congolaise et africaine, Koffi Olomide. On va le regarder comment il a su la victoire des éléphants. Mais dinañ ci tek tamit gradin yi nga xamantene gaay yi dañ fay nek di def lu leen neex mais nak gradin ak ak joueur yi gradin dafa neex man fumay dem final gradin la dama choisir na fumay tok waaye ñu dem ci congolais yi plutôt ni lay mel way émission da ngay jek jek di fetch quoi da comprendre yo li nga def fi akama bëgg di dëgg fu la neex mais li nga fi def ni waru na gën yow yow dañ lay bolé directeur parce que nek ci plateau di fetch melni yow hein di bar il faut ni bolé quoi parce que wagé ni moko war di bolé wagé ko war di bolé di ko gënné li yépp wagé la ak yow c'est lui non c'est pas moi alors mais c'est très beau ce qu'on a vu ah oui on a vu Koffi Olomide comme tu dis maître James c'est ça. On a vu également les joueurs sur le terrain. Donc, eux aussi, ils ont vraiment montré qu'ils ont été très heureux d'être allés en demi-finale. Et c'est super. C'est super, tout simplement. La fête continue jusqu'au 7 février prochain. Inch'Allah. Alors, bien mon accord, première vidéo. Waouh. Rougi, bonne préparation. Exactement. Alors, on avait et jusqu'à présent, je pense que c'est désactivé l'humilité. En mode non, avant match, c'est activé. C'est activé. Mais non. Après match, c'est désactivé. Mais il paraît donc que depuis venir de mes demi-finales, ils ont tout désactivé. Ils ont tout désactivé. Humilité est mort. Humilité est mort. On va en savoir quelque chose. Mais également, c'est une première vidéo d'Aïdem Rekti, sénégalais et ivoirien. Tant bien que le Sénégal n'était pas encore éliminé. Nous avons fait un duo bu grau grau bo xamantene ni tay wone toujours que c'est la plus belle canne de l'histoire du football. Mets là comme ça. Allô, ouais, allô, Alex Mendy, Paul Toko. Ouais, hey, mais c'est qui? Le chat est tombé. Le chat est tombé. Ouais, ça... Mais c'est qui? C'est le goat qui te parle. Le continent est tombé. Engano parle wolof. Le continent est tombé. Côte d'Ivoire va s'ambiancer. Allez, Joker Fit. Allez, Joker Fit. Non, bim, mon. Allez, Joker Fit. Tatoué, les joueurs ne voient plus de ballon. Et ton frère Périgobert, son changement côté camerounais. Les Dupont en attaque, petit pays au goal, qu'est-ce qui se passe? On dit que le sac camerounais qui a bien joué la CAN, c'est take. Ouais, finalement tous les lions sont partis parce que ça c'était les lions de la terre en gagnant donc on les lions indomptables. Ouais, malheureusement tous les lions dans lequel nous mouillons les trois lions. Mais c'est bien quand même de se remémorer ces instants là. D'arte tout ça pour dire que Kanbim faut accréer avec tout à fait. Voilà, Ganao Djongentebi faut accréer le quoi. Faut accréer là. T'es en plus l'idée fait toutes les équipes qui ne sont plus dans le jeu. Ils vont comprendre que le sport, c'est un esprit d'équipe et que nous avons mis un moment, surtout les Sénégalais. On a vécu ça en 2022 et que c'est d'autres équipes qui sont là. Il faut les soutenir, il faut les encourager, mais également ramener. Nous avons des forwards parce que c'est bientôt, ça passe très vite. Et que nous avons des forwards, nous avons des clubs, des forwards, avec force.
Merci beaucoup. En tout cas, on encourage. Merci beaucoup. Je vraiment, étirement, pays plateau. Ambiance. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Ben rubrique, nous laisser. Moi, Canette, bu Aïcha, ce mot du ambiance, Juste après l'enterrement, on tenait à vous signaler quand même un bain de consolation est prévu et le bain de consolation sera servi par les Maliens et les Sénégalais sous la supervision des Camerounais. Côte d'Ivoire, tu vas nous manquer. Voilà donc, merci beaucoup Diamboune pour Élément Boboulé. Donc c'est ça, parce que les Africains se moquent entre eux, mais c'est des cousins, c'est des frères. C'était ça. Donc, c'est la même famille. Hein. C'est la même famille. Alors merci, c'était ça mon élément carré. Là, c'est quand même bouteille, bien fraîche. J'adore. C'est de nous. Ouais, de faire sa forme. Une belle suite des programmes sur la 2. Des sensations médiernes. Waouh. On va faire travailler Marie Tchao. Aïcha, y'a été à gâteau. Man m'a été. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. On se retrouve demain avec Jean-Yves, toujours la team, j'allais dire, on ne savait, couleur canne. Et puis, je vous souhaite une excellente suite des programmes. Merci à toi. Mais on a oublié de fêter quelque chose. Oui. Sénégal. Taille le gagnant de Coupe d'Afrique. Waouh! On vient de me le signaler, mon ministre de ma cafate. Merci beaucoup, Waïwagé. À demain. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À demain. See you guys.